Est-ce que ça vous arrive pas, vous, de vous poser sous la douche et d'avoir le cerveau complètement éteint? Et d'un coup, il se rallume, il vous dit, qu'est-ce qui devient le mec qui avait dit, puceau, moi? Puceau, moi? Sérieusement? On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Demande à mes potes si je suis puceau, tu vas voir les réponses que tu vas te prendre. Alors laissez-moi vous parler de cette personne qui, en 2021, nous a offert ce meme mémorable. Missionnaire sexe ou Amazon sexe? Bon, dans ce meme, c'est assez simple, on voit cette personne en train de répondre à son téléphone en vidéo, en train d'expliquer à je ne sais qui n'est pas puceau. L'extrait qu'on vous a mis, il ne dure que 10 secondes, mais en réalité, il dure une minute, je crois. Il dure vraiment longtemps. Et pendant tout ce temps, il explique que non, il n'est pas puceau et qu'il a fait beaucoup de choses dans sa vie et que toi, par contre, derrière ton écran, toi, c'est toi le puceau. Cet extrait de ce meme est donc sorti en 2021 pour la première fois sur le forum jeuxvideo.com et après ça, c'était fini. Le meme était devenu viral et a été repris sur toutes les plateformes internet. Au-delà du meme, cet extrait est devenu une référence que tout le monde se fait entre potes, que ce soit en soirée, dans la vraie vie, avec ses parents. Non, peut-être pas avec ses parents, mais ce meme est devenu mythique. Donc, récapitulons, ce meme a été un banger ultime et date d'il y a 2 ans. Alors moi je me suis demandé, qu'est-ce que devient cette personne qui nous a offert tout ça? Et ben, j'ai pas été déçu. Déjà, il faut savoir qu'il s'appelle Jean. Je trouve déjà quand on met un nom sur la personne qui a fait ça, ça enlève déjà un petit mythe. Pour moi, c'était juste une personne devant sa caméra, presque il avait pas de nom. En faisant mes petites recherches, j'ai découvert qu'il était très très présent sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et Instagram. Sachez que sur TikTok, il a plus de 191 000 abonnés, soit 191 000 de plus que moi. C'est fou! Non, t'as pas moins de 1000 abonnés. Non, 1000. Il nous offrira 6 mois plus tard ce TikTok. Moi? 6 millions de vues, rien que ça. Mais du coup, je me suis demandé, comment il a pu vivre tout ça? Parce que bon, il est quand même passé de quelqu'un que personne ne connaît à une référence mythique pour toute une génération. Surtout qu'il n'a pas été connu pour une vidéo, il a été connu pour une seule phrase, 2 mots presque. Puceau, moi. C'est tout. Mais justement, qui de mieux que ce bon vieux Jean pour répondre à toutes nos questions? Vous me voyez venir? On va l'appeler! Salut Jean, je suis avec Jean, qui a gentiment accepté du coup de répondre à nos questions. Comment tu vas déjà? Salut à toi Tanguy, ouais ça va très bien. Bah déjà, la question qu'on se pose nous, c'est comment tu t'es retrouvé en fait à faire cette vidéo? Je faisais des vidéos tous les jours à cette époque-là, et je me suis retrouvé à faire cette vidéo-là, juste par humour, parce que je connaissais le même en question, et j'ai juste repris. Et quand tu l'as posté, la séquence vidéo, elle a tout de suite été reprise sur internet, ou ça a mis un peu de temps avant qu'elle pop un peu comme ça? Alors, dès le départ, elle a bien fonctionné. Ouais. C'était pas une des vidéos qui a le plus fonctionné dès le départ, j'avais déjà des vidéos à plusieurs millions à ce moment-là. Ok. Mais celle-là, elle a fait que 220 000 vues, par exemple. C'était pas énorme. Elle était repartagée énormément. Ouais. Elle était beaucoup repartagée. Et c'est ça qui l'a vraiment amené à être très connue. Et justement, le fait qu'elle soit repartagée dans tous les sens, tu l'as vécu comment? Ça t'a fait rire ou au contraire, ça t'a un peu fait chier? Au début, tu le prenais comment, en fait? Au début, c'était étrange. J'étais mitigé parce que justement, je voyais ma tête dans des threads Twitter où je ne m'y attendais pas. Et il y a beaucoup de gens de mon entourage qui sont venus me dire des copains, ils utilisent ta tête pour rigoler, quoi. Ouais. Ça donne très une dissonance cognitive de voir ça, mais petit à petit, comme j'en ai joué beaucoup, ça m'a bougé après. Ouais, donc au final, c'est plutôt positif. Moi, je me suis dit, mais ça se trouve, il y a des gens qui deviennent du jour au lendemain un meme sans avoir rien demandé. Peut-être que des fois, ça doit être dur, en fait, justement, de passer de personne, entre guillemets, à quelqu'un qui est repris et que tout le monde connaît sa tête, tout le monde connaît juste une phrase. Ça peut être délicat, quoi. Tout à fait. Moi, je ne suis pas passé vraiment ça du jour au lendemain, puisque, comme je t'ai dit, j'avais déjà des vidéos à plusieurs millions. Ouais. Et j'avais déjà un micro meme qui fonctionnait un peu. C'était un meme où je rigolais, ouais, qui avait bien fonctionné aussi. Maintenant, toi, j'ai vu que du coup, tu publiais beaucoup, beaucoup sur tes réseaux, tu essayes d'être quand même actif. Et qu'est-ce que tu aimerais faire maintenant, toi, sur les réseaux? C'est quoi ton ambition, s'il y en a une? Alors, j'ai 2 ambitions. Oui, continuer à faire ce que je fais, parce que c'est mes comptes du quotidien. Donc, je suis comme n'importe qui utilise ses comptes. Et effectivement, j'aimerais bien, moi, c'est aller plus dans le technique, faire des TikTok un peu de vulgarisation d'informatique. Je sais que tu travailles dans l'informatique. C'est quoi concrètement ce que tu fais? Je suis ingénieur de données, donc mon métier, c'est de
travailler des données qui sont réceptionnées par des clients, par des personnes, et essayer d'en donner de la valeur. Et justement, moi, j'ai pas pu m'empêcher de me poser la question quand j'ai tapé en fait ton nom sur Internet et je suis tombé sur ton LinkedIn et je me suis dit, quand t'as un meme comme ça qui a tourné énormément, est-ce que justement dans le milieu du travail, des fois, ça peut pas justement pas être soit un handicap ou alors un plus en mode, bah, dès que t'arrives à l'entretien, hop, ils disent, mais toi, je te connais, j'ai déjà vu, et puis ça peut faire aussi un sujet de discussion marrant. Est-ce que ça t'est arrivé ça? Alors, c'est jamais arrivé en entretien, mais effectivement, au départ, j'en parlais pas. Ouais. Et en fait, ça s'est su au travail. Donc, il y avait un collègue qui était plutôt au courant de l'univers de l'Internet, donc c'était un peu difficile de le cacher, vu qu'il me connaissait. Et petit à petit, ça s'est réseauté, l'information a circulé. Mais du coup, j'en joue pas, mais je le cache pas non plus. Forcément, les gens, j'imagine que ça intrigue, quoi, en plus. Oui, et puis, généralement, ils se focusent pas sur la vidéo en elle-même, mais sur les conséquences de la vidéo, ma célébrité, comment j'ai dit. Ouais. De toute façon, c'est difficile à cacher dès lors que tu vas sortir au restaurant avec des collègues, il y a des gens qui vont t'alpaguer dans la rue. Et justement, est-ce qu'il y a eu des conséquences quand même négatives? Est-ce que des fois ça t'arrive justement dans la rue, des gens qui vont venir et se moquer ouvertement? Ou de manière générale, les gens en fait ils sont plutôt bienveillants? Comment tu l'as ressenti à ce niveau? De manière générale, bienveillant. Ouais. De manière générale, très bienveillant. Les gens n'osent pas toujours demander, mais bon, ça. Il y a des gens un peu plus bizarres qui te suivent un peu pendant un certain temps. Là, t'as un peu peur quand même. Ouais. Comme je fais 1m94, ça va. La plupart des gens sont très gentils et ils demandent juste une photo et il n'y a pas de soucis. Et sur Internet, est-ce que t'as reçu des messages? Par contre, j'imagine que dans la vraie vie, souvent les gens sont souvent bienveillants. Oui. Ils n'ont pas osé. Mais justement, par contre, sur Internet, est-ce que ça a été plus dur à ce niveau-là? Effectivement, sur Internet, dans les commentaires, il suffit de trouver n'importe quelle demi-vidéo et de regarder un peu les commentaires. Tu auras énormément de messages bienveillants et énormément de messages très malveillants, très insultants. Mais ça, c'était depuis le début, hein, donc ça n'a jamais changé. Moi, je suis toujours gardé dans l'idée de me foutre totalement de ce que les gens pensaient, de faire les vidéos pour moi, donc ça m'impacte pas du tout. Ouais, à ce niveau-là, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. On peut te retrouver du coup sur les réseaux, donc sur Insta et sur TikTok. Si en quelques phrases, là, tu dois résumer ce que tu fais, pourquoi les gens ils viendraient te voir, qu'est-ce que tu nous proposes en fait sur les réseaux actuellement maintenant? Alors, moi sur les réseaux, je propose principalement ma vie, mon humour, c'est-à-dire un humour décalé, un humour un peu bizarre, un peu étrange, et avec pas mal de rêves d'Internet que je connais. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Je suis sur Internet depuis au moins 2010, donc ça fait un petit temps que je suis là et que j'exerce. Et bah, c'est bon pour nous. Je te remercie, Jean. Merci du temps que tu nous as accordé, en espérant que tes projets puissent se concrétiser. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez suivre Jean sur les réseaux, il est présent donc sur TikTok, sur Instagram. À la prochaine, Jean. À la prochaine. Et voilà, un gros merci à Jean, alias Melkor sur les réseaux. Un gros merci à Sydney à la production. Si cette vidéo vous a plu et si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, enfin, toutes les choses qu'il faut faire pour m'aider. Nous, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.